C'est bon, balancez-le là. Allô? Professeur Longstreet, je suis désolée de vous déranger, mais je ne savais plus à qui parler. Denise? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Il n'y a que vous qui... Très bien, calme-toi. Où est-ce que tu es? Oh, yeah. All right. Yeah. Gonna come on home. Les types ont fait boire Dolores et ils veulent plus nous lâcher. Jerry ne peut pas s'occuper d'eux? Il est pas là, il a un match de boxe, je sais pas où. Très bien, détends-toi. J'arrive dans une minute. Fais pas cette tête, Denise. Il est un peu tard, Polo. Je viens chercher une fille. Ouais, comme tout le monde ici. Elle vient juste de m'appeler. Hé, Dirk! 2 minutes, compris? Allez, merci. Est-ce que ça va? Ouais, pour l'instant, mais c'est surtout Dolores. Elle a tellement bu, elle se rend même plus compte de ce qu'elle fait. Très bien, très bien, t'as pas à t'inquiéter. Vas-y, va la chercher. Allez, viens! Allez! Non! Allez, amène-toi! Non. On rentre! Oh, doucement! La petite est avec moi! Ouais, et elle cause avec moi! Ah. Très bien, les gars, ok. Du calme. Enfin, un peu d'action. Allez, ça suffit maintenant! Debout! Ouais, ça va! Foutez-moi le camp! C'est bon! Et douce! Dors! Toi, je te jure. Allez, venez, c'est fini. Restons pas là. Comme ceux des 3 étudiants disparus. Les 3 jeunes gens étaient des athlètes prometteurs. La police se refuse pour l'instant à tout commentaire et il faudra attendre le résultat des autopsies pour connaître la cause exacte de ces décès. Appelez-moi Nicole. Dans un autre domaine, un document amateur oriente l'enquête sur l'explosion de l'usine BSF dans une toute autre direction. Sur la 2. Ce document montre clairement que c'est un véhicule garé devant l'entrepôt. Nicole. Ouais, Bill, qu'est-ce qu'il y a ? Les petits étudiants, ouais. Ils ne sont plus portés disparus.
La thèse de l'attentat. Ils sont morts. Écoute, là je travaille sur Derek Longstreet. Derek Longstreet? Un prof d'athlétisme de la fac. Donne-moi ça. Il entraînait deux des disparus. Je t'ai envoyé un dossier sur lui, tu l'as pas reçu? Si, Derek Longstreet, professeur Dirk. Tout juste. Il saurait quelque chose? Eh ben... C'est une piste intéressante, toujours. Oui, autrement dit, tu le suis. C'est mon boulot de suivre les pistes, je rappelle. Je veux rien si pour une fois cette piste, c'est un beau mec. Bien, mais rapporte-moi un reportage. Hé, hey, Jérémy, tiens-toi un peu. Hey. Il faut que tu m'améliores ce temps. Tu m'en refais une petite? Et si tu courais avec moi? D'accord. Allons mettre la honte à ton petit ami. Donc c'est à votre frère que vous allez mettre la honte? T'es de quel côté, au juste? Je travaille pour l'entraîneur ce semestre. Sans une bonne note, pas de diplôme. Eh bien, en piste. Allez. Allez, on est prêts pour nous. Okay. Fais 10 tours, Jérémy. 10. Quoi? Il y en a un qui veut se battre? Jérémy, un petit peu de calme. Allez, au boulot. Il a un caractère de cochon. Mais en dehors de ça, c'est un ange. Ouais, il a des qualités. Je fais tout pour qu'il réussisse, mais parfois je me demande si je suis pas un petit peu trop dur avec lui. Non. Cette blessure? Oh, c'est rien. On s'intéresse aux gamins? C'est uniquement professionnel. C'est toujours ce qu'on dit. Si tu trouves quelque chose, tâche de penser à nous. Oh, non, j'en ferai d'abord part à mes nombreux lecteurs. En tout cas, si ça se met à chauffer, tu sais où nous trouver. Cette histoire nous intéresse. Ok. Voilà le gars dont je t'ai parlé. Il est plus vieux que les autres. Il fera un excellent adversaire. Qui ça, Jérémy Pratt? Il est déjà sur la liste. Non, non, non. L'autre type. En face. Oh, nom de Dieu. C'est Derek Longstreet. C'est censé me dire quelque chose. Tu as devant toi le seul combattant qui se soit jamais sorti du circuit. Jamais perdu en combat, jamais reçu de blessure. Ce type-là est une véritable légende. Il ne peut y avoir qu'un seul champion invaincu, moi. Débrouille-toi comme tu veux, mais je veux l'affronter. Si j'étais toi, je ferais attention à ce que je demande. Derek est un garçon hors catégorie. Alors notre premier client est un vrai cadeau du ciel. Il a la belle gueule, le talent, le charisme et une faiblesse que tu peux exploiter. Mmh. Il mesure combien? 1m88. Mmh. Il me plaît bien. Il fera l'affaire. Bon, au suivant. Il est plus loin, je vais sauter ça. Attends. Mets sur pause. Nom de Dieu. Je le croyais mort. Je le veux. Point final. Non, attends, ne nous emballons pas. Je veux voir s'il sait toujours se battre. Envoyons-lui une épreuve. Je l'ai vu à l'œuvre. Il ne me prendra pas mon titre. C'est moi l'invincible. C'est moi que les gens applaudissent. Tu es le champion, d'accord? Tu es mon champion. T'es le meilleur. Raison de plus pour ne pas se ridiculiser. On va lui envoyer un adversaire, un vrai, un professionnel.
J'ai ce qu'il te faut. Ce n'est pas une bonne idée. En plus, il s'est retiré, il a un bon job, je pense pas qu'il va tout risquer pour vous. Personne te paie pour penser. Quoi que ça coûte, je veux ce type. Du moment qu'il passe le test, moi, je suis partant. Votre café. Merci. J'étais sûre de vous trouver là. Je t'en prie, assieds-toi. Jérémy veut annuler l'entraînement de ce soir. Il a besoin de détente. Et il ne t'emmène pas avec lui faire la fête? Il sait que j'ai trop de boulot. À demain. Carré de 8. Pas de chance. Oh, on tape dans son pré-étudiant, Jérémy. T'inquiète. J'ai des tuyaux sur les combats de ce soir. Tu veux venir? Pourquoi pas si on se marre? Ouais! Vas-y! Vas-y, achève-le! Mesdames et messieurs, beaucoup le craignent, mais lui n'a peur de personne. Voici Dragon Man! Il sera ce soir opposé à un guerrier connu de tous, le grand ninja Warrior! Que le combat commence! Mais sur lequel t'as misé? Sur celui qui gagne. Ninja Warrior emporte la victoire! Place au combat suivant! Quelqu'un! Donne-lui le coup de grâce! Ne lâche pas! Fais pas la gueule! Les places sont hors de prix ici. Et nous, on est entrés gratis. Mais je pensais pas que ça serait aussi violent. Et tu plaisantes, j'espère? Non. Vas-y, écarte-le pour moi! Gicle de partout. Le laisse pas respirer. Défonce-lui la tête. Il tient plus le bout. Et ta
pas gagner assez d'argent comme ça. Un dernier combat, un dernier combat. Mesdames et messieurs, le match vedette de ce soir va bientôt commencer. Il vous reste encore quelques minutes pour engager vos paris. C'est combien le plafond, s'il te plaît? 50 000. Dommage que j'ai pas assez de fric. Vixton t'ouvre un compte. Quoi? Il te laisse parier plus que ce que tu as. Tu as des papiers? Ouais. Jérémy, t'as l'air d'un gars honnête. Combien tu veux? Mais moi... 20 000 sur le grand black. 20 000. Très bien! Attention, c'est fini pour les paris! Place aux muscles! Voici le match que vous attendiez tous. Juan, notre champion toujours invaincu! Contre l'impitoyable LL Cool J! Regarde comment on se fait 20 000 dollars. Tu viens de parier 20 000 dollars? Je peux pas voir ça. Hé, hey, arrête, assieds-toi. C'est fini pour toi, Quan! Ouais, il va mordre la poussière. Oh, dis donc. Il s'est couché, ce fils de pute. Il s'est couché. C'est truqué. Truqué. Ouais. C'est truqué. Personne ne peut me battre. Toujours invaincu, le champion du circuit, Juan. Hé, hey, où tu vas? Attends une petite seconde. Tu m'avais dit que le Black gagnerait. J'ai dit ça? Ah, je m'en souviens pas. Écoute, par contre, j'ai un deal à te proposer, si tu veux. Je suis pas intéressé. Tu t'es déjà battu, petit? Ça m'arrive quand on me baisse. Oh! Je te parle de combat. Je te parle de briser un mec en deux, de lui casser la tête. Quoi? Tuer quelqu'un? Non mais attends, je vais t'expliquer. Tu nous laisses t'entraîner, puis tu combats pour moi pendant, disons, quelques mois et j'efface ton ardoise. Et si tu refuses, faut que tu me rendes mon pognon tout de suite. Je vais vous rembourser. Ah, je ne vais pas t'étrangler, je te donne 48 heures pour m'apporter mon pognon. Hmm? Casse-toi. Tu es malade. 20 000 dollars, où est-ce que tu penses les trouver? Te mêle pas de ça, compris? C'est quoi cette histoire de Paris? Oh, moi, je ne sais plus quoi faire. Quelqu'un t'a vu au combat hier soir. Il paraît même que t'as parié. Ça me regarde ce que je fais de mes loisirs. Des paris sportifs illégaux? Vas-y, explique-lui ça. J'ai pas envie d'en parler. De combien t'as plongé? Combien tu leur dois? Je vais les rembourser. Et sans bazarder notre équipe. Vous me croyez pas? C'est le conseil de discipline qu'il faut essayer de convaincre. Il ne va pas être renvoyé. Il pourra plus passer pro. Ça sera un miracle s'il le laisse finir ses études.
Viens. Allez, Murphy. Allez. Oh, attention. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, pardon. Oh, c'est pas grave. Oh, écoutez, je suis vraiment désolé. Non, y a pas de Murphy, quoi. Tu es un vilain chien. Tu m'as entendu? Un vilain chien. Je vous présente mes excuses. Non, c'est moi qui vous ai rentré. Murphy. Donnez-moi la main. Je vais vous aider. Ça va? Oui, merci. Comment s'appelle ce bel animal? Butch. Butch? C'est pas un peu bizarre pour une chienne? Faut que je pense à changer son nom. Et quel âge a-t-elle? Elle a environ un an. Environ un an? Viens voir Butch. Butch. Eh bien, d'après sa plaque, Butch a 4 ans et elle se nomme Casey. Bon, d'accord. J'avoue. C'est la chienne de ma voisine. Elle m'a dit que si je voulais rencontrer un gars bien, la promenade du chien, c'était un bon plan. Eh ben, vous êtes franche au moins. Ça me plaît. Et vous avez l'air d'un homme très bien, alors je dirais que c'était un bon plan. Que diriez-vous d'une invitation à dîner? Eh bien, je dirais que j'ai un faible pour la cuisine thaï et que je peux me libérer demain pour 7 heures, si ça vous va. C'est parfait. Vous connaissez le Golden Thai? Oui. Très bien. Quoi? Derek Longstreet. Nicole Kent. C'est drôle. On a su le nom des chiens avant celui de leur maître. Oui. Alors, à demain au restaurant? Avec plaisir. Très bien. À demain, alors. Salut. Salut. Allez, Murphy. Derek Longstreet, fais voir si tu sais toujours te battre. Salut, Dirk. Écoute, je vais pas pouvoir venir à l'entraînement cet après-midi. J'ai des tas de trucs à gamberger. Enfin, compte pas non plus sur moi demain. Voilà. Salut. Jérémy. Jérémy. Trois contre un, t'as dit? Je suis désolé. Pardon, excuse-moi. Je suis désolé. Allez, ça va. Foutez le camp. Foutez-moi le camp! Hé! Hey, je t'avais bien dit qu'il était dangereux. Après tout, tant mieux, parce que j'ai mon plan pour l'amener à combattre. Il reviendra se battre.
Alors ? Alors quoi ? C'est l'heure des futilités d'usage ? Eh bien, à moins que vous ne préfériez qu'on parle philosophie. Non. Alors ? Eh bien, j'adore cet endroit. Vous étiez déjà venu ? Oui, une fois. Je crois que l'université y faisait une remise de prix et c'était excellent. Mon bureau est juste au coin, alors je suis venue plusieurs fois pour des déjeuners d'affaires. Et qu'est-ce que vous faites au juste ? Recherche d'informations et de données. Plutôt scientifique. Non, seulement des informations. Et alors, depuis quand vous êtes à l'université ? Oh, j'y suis à plein temps, je dirais. Depuis à peu près 3 ans. Vous êtes prof de quoi ? En fait, je suis entraîneur. Et je donne des cours de kinesthésie. Je suis sans doute stupide, mais coach et kiné ? Eh bien, disons que ça permet d'optimiser nos athlètes. Ouais, je suis sûre que vous êtes le roi de l'optimisation. Vous aussi, vous devez pas être mal dans votre job. Écoutez, je suis vraiment navré de devoir écourter cette soirée, mais j'ai promis d'aider un de mes étudiants, alors... C'est pas grave, j'ai plein de choses à faire ce soir. C'était très agréable. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce que tu veux ? Tu pourrais peut-être commencer par me dire merci. Je croyais que tu ne te battais plus. Non, j'y ai renoncé. Sauf que mon petit frère a des ennuis. Je n'ai pas besoin de ton aide. Oh, que si tu en as besoin. Surtout face à ce genre de racaille. Hey, je me suis fourré là tout seul. Je m'en sortirai tout seul. Jérémy ! Essaie d'ouvrir les yeux. C'est ta peau qui est en jeu. Merde! Oui, salut, c'est Jérémy. Passez-moi Vixton. Allez-y! C'est ça, enchaîne! Non, Jérémy, non! Cogne le sac, serre-toi de ton corps! Fonce-lui carrément dedans! Rentre-lui dedans! Mais qu'est-ce que tu fais? Je te dis de mais me défoncer! C'est là que j'aspire! Défonce-moi ce sac! Mais nom de Dieu, je veux que tu le défends, Jérémy. Regarde-le, il veut te baiser, il faut que tu le descendes, que tu lui rentres dedans. Voilà de quoi je parle. Alors, tu la sens la haine. Ouais. Ici, on utilise les pieds, les mains, on frappe, on étrangle, on se sert de toutes les techniques. Tu saisis, Jérémy. Ouais. Alors vas-y, rentre-lui dedans, et donne-moi, défonce-le, tue-le, allez. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que tu ressens ? J'ai envie de vomir. Ça, c'est l'adrénaline. C'est bon signe, ça prouve que t'as quelque chose dans le ventre. Que t'as envie de gagner. On va se faire du fric. Tu veux te faire du fric ? Recommence ! Denise, qu'est-ce qu'il y a ? C'est Jérémy. Il a disparu. Comment ça a disparu ? Il n'est pas venu me chercher ce matin. Il n'a même pas téléphoné. Je suis passée chez lui et personne. Est-ce que tu as essayé le gymnase ? La même chose. Et la police ne lance les recherches qu'après 48 heures de disparition. Écoute, je partirai à sa recherche ce soir. Je connais tous ses points de chute. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. C'est d'accord ? Jérémy est en danger. Je le sens.
Laisse-moi deviner, tu sortais te chercher une pizza? Alors écoute, c'est bien simple. Si jamais tu te barres, je vais aussitôt enlever ta jolie petite pétasse et j'en fais ma petite chienne. Hein? Est-ce que c'est clair? Oui. On est d'accord. Oui? Denise? Ça fait 20 fois que j'essaie de vous joindre. Oui, mais tu sais, une sonnerie de portable dans un bar plein à craquer, c'est pas évident à entendre. Alors, vous l'avez retrouvée? Non. Et j'ai essayé tous les bars que je connaissais. Il paraît qu'il y a des boîtes un peu louches du côté des quais. Vous savez, du genre où l'on entre sur invitation. Bon, j'essaie ça et je te rappelle. À plus, t'inquiète pas. Hé, les gars! Où est-ce que vous allez? Ça te regarde pas, casse-toi. Vous savez pas par hasard s'il y a une nouvelle boîte dans le coin pour les garçons? Hé, hey, on mange pas de ce pain-là! Tu les crois pas, les pédés. Allez, venez. Hé, hey mec, ça te dit quelque chose, cette adresse? Oh, cette boîte est fermée depuis des années. Non, c'est un nouveau club. Comment tu le sais? Quoi? Attends, comment tu le sais? Bah, t'entres que sur un vide, connard. C'est bon, je trouverai tout seul. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu me veux? Tu vois pas que je... T'es tout seul? Oui, que moi. Alors voilà comment ça marche. La première porte, c'est le bar. La seconde, c'est le nightclub. Je te trouve ailleurs que là, je t'éjecte sans discuter. C'est compris. Qu'est-ce que je vous sers? Whisky sec, s'il vous plaît. Alors, on est tous seuls? Oh! Vous essayez de me saouler ou quoi? C'est mon job. Vous êtes un peu plus âgé que mes clients habituels. Ah oui? Eh bien, il y a un moyen d'avoir un petit peu d'action ici. Vous aimeriez un peu d'action? C'est 100 billets. Oh, c'est pas donné, ça. Très bien, ça marche. Sans billets, voilà. Jamie, je prends ma pause maintenant. En tout ton temps. Alors, où est-ce que je peux voir le combat? Ah. Oh ben, si c'est ça qui te branche, tu peux le suivre sur cette télé là. C'est pas le moment. Attends, je t'explique. Apparemment, un type lui a tiré son invitation. D'accord, mais il peut pas rentrer comme ça. Hé, toi, reviens une minute. Oh, ça va, foutez-moi la paix. Et ça fait longtemps que ça dure? Penses-tu, t'es mon premier client de la semaine. Non, je te parle des combats. Oh, je sais plus trop. Depuis qu'il y a des combats d'étudiants, on nage en plein boom. En plein boom? Mm-hmm. Et comment s'appelle ton patron? Bah, le nom du propriétaire du club, c'est quoi déjà? Ça Vixton. À... Ouais, Vixton. C'est ça, tu le connais? Où ont lieu les combats? Ça, je peux pas te le dire, je perdrais mon job. Rien ne pourrait t'arriver de mieux, crois-moi. Ouais, t'en as de bonnes. Et où j'irai bosser, au Pentagone? Oh oui, je me vois bien, ministre de la Défense. Tu crois que la place est prise? Dire que je croyais que c'était pour mon charme. Pédé. Tu m'as compris? Le voilà, c'est lui! Là! Moi? Attrape-le-moi!
Barrez-vous, les gamins! Hé, hey, Kwan, regarde-moi ça. Dirk est dans la boîte de nuit. Il me le faut et envie. Tout de suite. Max, Max, réveille-toi. Dirk Longstreet est dans le bar. Kwan le veut vivant. Je te conseille pas de taper. Pousse-toi. Ah la vache! Allez! Le laissez pas filer! Rattrapez-le! Max, il se dirige vers toi. Mais rappelle-toi, ne le tue pas. Qu'est-ce que vous avez, les gars? Vous aimez les coups? Ça lui servira de leçon à ce blaireau. On s'est occupé de ton client, il n'est pas prêt de revenir. Et on l'a laissé partir. Comment ça, laisser partir? Tu plaisantes? Je t'ai dit que Kwan le voulait. Ben, où il est maintenant? Ah, désolé, vieux, il a disparu. Comment ça, disparu? Ben, envolé, évaporé, il est plus là, quoi. Quelle chiotte! Allez, debout, champion. Lenny, tu pourrais me dire où on est? Tu as devant les yeux la maison des rêves de Monsieur Lenny. Je viens de la finir. C'est pour la gagner que je suis resté dans le circuit. Et pourquoi je suis là? Pour que je puisse t'entraîner. C'est un gag. Regarde-moi, on vient de me passer à tabac. Ben, si tu veux sauver la vie de cet étudiant... Je crois qu'il faut t'entraîner. Je crois plutôt que je vais appeler la police. Tu crois que c'est une bonne idée? Mais où il est? Bon, c'est quoi cette histoire d'entraînement, Lenny? Notre nouveau champion s'appelle Kwan. Et Monsieur Kwan a un ego démesuré. Et il a appris ton histoire, que tu n'as subi aucune défaite. Alors il veut que tu l'affrontes. Oh, si tu veux bien m'écouter. Je suis trop vieux pour ça. Il n'y a pas d'autre solution. Tu dois accepter son défi et te battre. Je n'ai plus l'âge, je suis trop vieux pour ces conneries, Lenny, tu m'entends? Je sais, t'arrêtes pas de le dire, mais c'est des foutaises. Non. Je t'ai vu à l'œuvre. Écoute, tout ce qu'il te faut, c'est apprendre quoi? 2-3 trucs nouveaux, point barre. Et où ça d'abord? Ici?
Ben vois-tu, je pourrais t'entraîner de façon traditionnelle, Dirk. Et tu serais prêt à rencontrer Kwan dans environ un an. Mais si on travaille ce que j'appelle les mouvements naturels, ce que je te propose, avec les mouvements naturels, tu peux peut-être être prêt dans un mois, peut-être même en l'espace d'une simple semaine. Tu sais que t'es mûr pour l'asile. Alors écoute, le circuit d'aujourd'hui ressemble pas à celui que tu as connu. Il est énorme et mortel. Oh oui, on se bagarre un peu. Mais pour se briser les membres, pour pulvériser l'adversaire, alors ce que je te propose, c'est de t'entraîner ici en utilisant ce que l'on a ici à notre disposition. Je rentre chez moi. C'est toi qui vois. Hé ! Oui ? Si tu veux rentrer chez toi en voiture, tu auras besoin des clés. Merci, Lenny. Où en est mon histoire ? Longstreet a disparu. Rien du côté des hôpitaux ? Non, rien. Alors peut-être la morgue ? Qu'est-ce que tu me fais là, Nicole ? C'est un reportage et tout. Va pas t'impliquer. Ok, promis. Préviens-moi si t'as des nouvelles. Attention, Nicole. Tu tombes amoureuse de ce mec, je te retire l'affaire. Tu connais la règle ? D'accord, je te rappelle. Nicole, ne raccroche pas. Il est pas là, ma petite biche. Monsieur Longstreet, je vous cherchais. Ah oui ? Mon Dieu, que s'est-il passé ? Rien, t'inquiète pas. Et Jérémy, est-ce que vous l'avez retrouvé ? J'ai pas pu aller jusqu'à lui, mais j'ai essayé. Vous savez donc où il est ? Emmenez-moi le voir. Je ne peux pas. N'oubliez pas que c'est votre frère. Jérémy a confiance en vous, et moi aussi. Il est dans une situation qui échappe à mon contrôle, et je ne peux rien faire du tout. Rien du tout. Moi non plus. Comment ça ? Je suis enceinte. Et mon bébé a besoin de son papa, Monsieur Longstreet. J'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai... Calme-toi. Ça va aller. Je vais te le ramener, je te promets. Très bien, que la fête commence. Je vais démolir le circuit. Tout d'abord, je t'ai vu te battre avec ces guignols hier soir. C'était nul. Faut être beaucoup plus efficace. Une frappe, un chaos. Très bien. C'est pour quoi faire, au juste ? Je veux que tu les enfonces dans le sable. La tête en bas. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le cul de la bouteille qui dépasse. Et comment ? Serre-toi de tes paumes et enfonce-les jusqu'à la garde. Là. Tu as saisi maintenant ? Qu'est-ce qu'ils foutent encore ?
Il le cherche, Kwan. Entraîne-toi et laisse-moi régler ça. Entraîne-toi, tout baigne. Vous ne l'avez toujours pas retrouvé? Désolé, patron. Pourquoi je vous paie? Amène-toi! Ça, c'est joli. Excellent. Première victoire! Si tu m'expliquais comment ça se fait que tu boites. Très bien. J'étais entraîneur d'un boss. Et Vixton voulait qu'il se couche, mais le gamin s'est emballé et en définitive, il a oublié de s'allonger. Alors Kwan m'a chopé par derrière. J'ai rien eu le temps de comprendre. Alors, est-ce que l'université te paie bien? Comment tu sais que je travaille à l'université? Tu y as recruté, je suis bête. Dirk, si je quitte le circuit, je dis adieu à la vie. Et pour Jérémy? C'est moi. Tu l'as fait entrer. Je n'ai pas le choix. Il n'était qu'un simple appât pour te faire revenir. Et ça a marché. Là-haut, attends, arrête. Bon, on a trois aspects à travailler en priorité. Les coups de poing, les coups de pied et le corps à corps. Très bien. On commence par quoi? Hier soir, on a commencé par durcir les mains. Et je me disais que ce serait bien de travailler les prises ce matin. Alors, mon garçon, soulève-moi ce sac. Quoi? Je t'ai demandé de me soulever ce sac. Essaie de ne pas trop le toucher, compris? Et qu'il se croie fort. Et combien ça me rapporte? Comme la dernière fois. Parfait. Mais tu ne l'amoches pas. Allez, vas-y. Être quelque part par là. Bingo. Allô? J'ai décidé de mettre un autre journaliste sur le coup. J'ai bien réfléchi, t'es trop impliqué émotionnellement, tu n'es plus objective. Non, je t'en prie, fais pas ça, je peux gérer les deux, le reportage et les sentiments. D'accord. 24 heures, point final. Bill, je t'en supplie. Boom!
Impeccable. Superbe. Alors je peux appeler ma copine maintenant? Commence pas. Tape dans le sac. C'est manqué. J'ai qu'une seule jambe. Alors je me suis dit que tu pouvais te coltiner ces sacs deux fois plus vite que moi. Très bien. Alors, ce que tu dois faire, c'est utiliser tout ton corps dans un seul mouvement rapide. Mais continue, ou tu n'auras pas la force nécessaire. Allez. Tu ne te sers que de tes bras. C'est tout ton corps que tu dois utiliser. Allez, debout, on n'a pas la journée. Faut que tu fasses ce que je te dis. Si tu veux projeter un homme à terre, ou si tu veux répartir le poids de son corps, tu dois utiliser ton corps tout entier. Viens, je t'attends! Un nouvel adversaire mord la poussière, et Kwan demeure toujours invaincu! Bien, ça suffira. Non, non, ne te retourne pas. Si tu tournes le dos à ton adversaire, tu seras tué. Maintenant, vise bas, rien au-dessus de la taille. Très bien, alors ce point-là, juste en dessous du genou, le haut du tibia, voilà, c'est avec ça qu'il faut frapper. C'est ça ton arme de choc. Vas-y de toutes tes forces. T'as saisi le mouvement? Mais la hanche doit suivre, en genou, frappe, frappe de la hanche, frappe du genou. C'est ça, frappe de la hanche, frappe du genou. Voilà. Alors tu n'oublies pas la hanche, et tu répètes l'exercice toutes les heures. Où est-ce que tu vas? Si je n'y retourne pas, Vixton se doutera de quelque chose. Lenny! Je fais pas ça seulement pour Jérémy. C'est aussi pour que tu t'en sortes. D'accord. Frappe de la hanche, frappe du genou, frappe le piquet! Mesdames et messieurs, c'est une nouvelle victoire pour notre étudiant! Tu nous as manqué hier soir, Lenny. Salut, Lenny. Attends, laisse-moi t'aider, laisse-moi t'aider. Voilà, doucement. Doucement, voilà, c'est ça. Lenny. Tu enseignes à Long Street tes techniques grotesques. Oh, allez, je sais, c'est effroyablement douloureux, mais tâche de prendre sur toi. C'est dur, tu sais, c'est dur pour moi aussi. Alors, ne perdons pas de temps. Oh. Oh, c'est pas vrai, jamais tranquille. Non, Kwan. Salut, Lenny. Oh, nom de Dieu, tout s'explique. Surprise. Surprise. Allez, les mecs, de vous deux, quel que soit le vrai Kwan, on se connaît depuis des années. Laissez-moi partir, allez, quoi? Ah! 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 Ah!
Hey, Nicole! Sykes, qu'est-ce qui amène le FBI ici? Je n'arrive pas à dénicher notre sujet commun, Dirk. Écoute, c'est un type bien. On n'a aucune raison d'enquêter sur lui, ni toi, ni moi. Laisse-moi le soin d'en juger. Tu sais où il est, parce qu'on a un cadavre de plus sur les bras. Non, là, je peux rien pour toi. Une autre fois, peut-être. Il n'y aura peut-être pas de prochaine fois. Ne lève pas l'épaule, Jérémy. Tu téléphones le coup, là. Cogne! 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 Allez! Allez, frappe! Cogne, bon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on parle de toi. Quoi? Qui parle de moi? Allez, faites une pause, là. Viens là. Je sors d'une réunion où on a parlé de toi. On veut te voir combattre. Ouais? Ouais. Je leur ai dit que tu étais prêt. Pourquoi? Eh bien, 5 victoires de plus et tu combats pour le titre. Contre Quan? Ça te plairait, hein? Contre Quan, oui. Ça sera l'invincible contre l'imbattable. Ça va être énorme. Bien. Qui je rencontre ce soir? Ce soir, tu rencontres le massacreur mexicain. Alors entraîne-toi. Allons-y. Très bien, je te suis. Allô, Dirk, c'est Nicole. Salut, Nicole. Vous avez un petit creux? Comment ça? Avez-vous faim? Ah, ça? Non, moi j'ai toujours faim après l'entraînement. Eh bien, figurez-vous que je vous ai préparé un superbe pique-nique. On pourrait se retrouver quelque part. Bah écoutez, vous n'avez qu'à venir ici. Et où cet ici se trouve-t-il? Je suis chez un copain. C'est au 1045 Main Street. Ça alors, pour une coïncidence? Je suis justement dans le coin. Je serai là dans un instant. Très bien. À tout de suite. Inutile de vous mettre en frais, vous savez. Ah, c'est ce qui s'appelle faire vite. Je vous l'ai dit, j'étais dans le coin. Eh ben oui, je vois ça. Bien, écoutez, je vais peut-être monter prendre une petite douche. Oui, je crois que ça sera pas du luxe. Ouais. J'installe le déjeuner pendant ce temps-là. Faites comme chez vous. Comptez sur moi. Oh, sole mio,
Tonight, tonight. Dirk, ce qui est arrivé à Lenny pourrait arriver à Jérémy, à moins que tu te décides à jouer le jeu. Nicole ! Nicole ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il vaut mieux que tu partes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils l'ont assassiné. Écoute, Dirk, je connais un flic, c'est un copain. Il peut t'aider à retrouver ton frère. Comment sais-tu ça ? Nicole Kent, journaliste au Daily World News. Alors tu es reporter. Je travaille sur le circuit depuis 3 mois. J'ai découvert que tu en avais été la vedette, et je pensais que tu finirais peut-être par me conduire à eux. Donc en clair, je ne suis qu'un sujet. Non, pas du tout. Enfin, je veux dire oui, bien sûr au départ, mais... Écarte-toi de mon chemin. Agent Sykes, j'écoute. Sykes, c'est Nicole. Il faut que tu mettes tes gars sur le coup et le plus vite possible. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que ça va être la guerre au circuit. Quand ? Ce soir. Et si t'es pas là pour intervenir, je crains que Dirk n'y laisse la vie. Faites voir votre invitation, c'est bon. C'est bon, suivez-les.
Bonsoir, monsieur Jones. Ouais, laissez-les passer. Attention les gars, redoublez de vigilance, Vixton est arrivé. Alors, Jérémy? Comment ça va? Tu es en forme? Tu te sens prêt? Si je gagne ce soir, je serai libre. Ma dette sera remboursée. Tu sais quoi? Je te promets solennellement que tu ne seras plus là demain. Quand tu es dans l'arène, c'est toi le patron. C'est toi qui peux faire exploser la magie. Fais-la exploser. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dirk vient de forcer l'entrée. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Laissez-le venir. Je le veux vivant. Bouge plus, Longstreet ! Hé, déconne pas, Dirk ! Joue pas au héros ! Allez ! Psst ! Dirk, laisse tomber ! Relâche-le ! Tout de suite! Tu restes où tu es, Longstreet! Tu bouges plus! D'accord! Je le tiens, boss! Évidemment, c'est jamais qu'un homme! Est-ce que ça va? Eh ouais! Faut le rattraper! Maniez-vous! Bouge plus! Reste où t'es. On le tient, ce coup-ci. Boss, on l'a attrapé. Enfin, bah c'est pas trop tôt. Allez, avance, bouge. Et t'arrête pas. On vous amène Longstreet, boss. Et comme vous le vouliez, vivant. Où est Jérémy? Tu connais la réponse. Pourquoi est-ce que tu me fais ça, Vixton? Je veux que tu combattes. Tu veux que je combatte? Parfait. Donne-moi Quan. Bah oui, bien sûr. Mais tu connais les règles. Pour rencontrer le champion, faut franchir toutes les étapes.
Envoie les adversaires. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt assister au grand combat de la soirée qui décidera qui sera le nouveau champion de circuit. L'invaincu étudiant aux attaques explosives affrontera l'invincible Quan. Ceux qui n'ont pas encore parié en auront encore la possibilité au cours de cette pause. C'est mon tour ? Exactement. Mesdames et messieurs, à la suite d'un malencontreux accident, notre finaliste Jérémy Pratt ne sera pas en mesure de combattre ce soir. Mesdames et messieurs, il va régler ça. Ce n'est pas sa faute, mais vous n'y perdez pas au change. Nous avons une surprise exceptionnelle. Dans l'arène. Pour ce soir seulement, nous avons un ancien champion invaincu du circuit. Je t'aurai ! Je vous demande d'accueillir à présent Quan, le champion toujours invaincu, dans un combat contre le champion du passé, Dirk Longstreet. Je vais le massacrer ! Ouais ! Je suis le seul champion ! Je suis le maître du circuit, le maître !
Lâche-toi. Allez, debout. Amène-toi, je suis là. Viens. T'en veux encore? Ouais, applaudissez. Le seul champion ici, c'est moi. C'est quoi ce plan? Ah, vous voulez que je le finisse? Pas de problème! Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le champion! Je suis le champion! T'en veux encore? Ouais, c'est ça, oui! C'est trop bon, oui! Allez, debout, debout! Regarde le King! C'est tout ce que tu as dans le ventre. Tu sais faire autre chose que de te coucher? Tu sais faire autre chose? Sérieux, il me fait honte, ce mec! Ça va? Hein? Qui diable êtes-vous? Je m'appelle Nicole, mais peu importe. Où est le circuit? De l'autre côté.
Non, arrête. Non. Non, je t'en supplie. Je t'en supplie. Crève et va pourrir en enfer. Non. Non, ne le tue pas. Tu as eu ce que tu voulais. Ton frère est sauvé. Je t'en prie, laisse les flics le coffrer. La fête est finie, Vixton. Laisse tomber, Dirk. Ça n'en vaut plus la peine, le FBI est là. C'est exact, monsieur Longstreet. La situation est entièrement sous contrôle. Ouais, Longstreet, sois sympa, relâche-le. Il ira en tôle. Je veux Vixton. Hey, je viens le chercher. Ce mec est malade. Descends-là. Laissez tomber Longstreet, il ira en prison. Ouais, exactement. Je vais en prison, Dirk. Tu vois ce que c'est, hein, la prison. 3 bons repas par jour, super salle de sport. Il y a des chances que j'y ouvre un nouveau circuit. Si tu l'ouvres, je viendrai le démonter. Nicole, qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce gars-là? Rien, c'est qu'une histoire. Allô? Nicole, bon boulot. Tu me connais? Je boucle toujours mes reportages. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Partez!